Salut à tous, c'est Alien. Aujourd'hui j'ai tenté quelques runs de Fatal Frame. Donc on va commencer tout de suite. Alors normalement le son se devrait aller, ouais c'est bon. Avoir les splits à disposition, vérifier qu'ils marchent bien. Ouais. Ok. Du coup, c'est parti. Et toujours mon objectif, faire sub 1h30, ce qui est vraiment pas évident. Parce qu'en plus de gérer le skill, faut gérer les petits bugs de collision, trucs comme ça, déjà. Et après, il faut gérer aussi la chance, et ça, ben, on n'y peut pas grand chose. Et parfois qu'il y a des fantômes qui nous trollent et on peut pas faire grand chose non plus. Mais bon, c'est pas faisable non plus. C'est le plus rapide qu'on puisse avoir là, je crois. Ok, 2 minutes 2, c'est un très bon temps pour débuter. On va débuter avec ça. Bon, tant pis.
juste porte qui bloque. Ok, deux combats très rapides ici, donc ça c'est très bon. Comme d'hab, on va pas jouer safe, on va jouer un petit peu la greediness. S'il faut gagner du temps, bah, on doit déjà passer par là. C'est pas touché. Ok, non, ça devrait le faire. Ok, un pack. Alors là, ce Glode, il va être difficile à refaire. Hein. Trichot. Non, merde.
ça va, j'ai pas perdu de temps. Mais j'ai failli. Alors du coup, pourquoi j'ai changé la pellicule, j'ai remis la pellicule de base, parce que on a 6 photos à prendre, donc autant économiser les pellicules, vu qu'à la fin du jeu on sera en galère de pellicules normalement. Une petite perte de temps, à un moment donné, deux fois dans le début, quand je vais changer de véhicule encore. Mais normalement, un gros gain de temps à la fin du jeu. Donc l'un dans l'autre, ça va. Celui-là est très dur à skip. Alors ne pas oublier Broken Neck qui apparaît après ce fantôme. Alors... Non. Ah. Non, je l'ai pas eu. Merde. Oh, le troll. Ces erreurs. Alors voilà, et là on se dépêche. Perte de temps, secours. Bon ça va.
que je sois plus précis en fait dans les petits skips à faire, les petites exécutions à maîtriser. Parce qu'en fait tout est lent dans ce jeu, donc chaque moindre erreur ça te fait perdre beaucoup de temps, mais beaucoup trop quoi. Ne serait-ce qu'une simple photo que tu prends à côté, c'est... Sans compter que c'est aussi un jeu de gestion, et donc bah, il faut faire gaffe à sa gestion de photos par exemple, ou de vie. Alors là, 18 secondes à gratter. L'ambiance tellement épique. Alors non, qu'est-ce que je fais? Oh bordel, il manque, non, il manque un point et j'ai perdu beaucoup trop de temps pour un point. Bordel, j'espère que je vais pouvoir te two-shot quand même. Allez. Beaucoup trop d'erreurs quoi. Et là juste après je vais être obligé de augmenter. Je sais faire quelque chose par contre. Voilà ça. Oh là là. Catastrophique. Ça arrive rarement ça que à ce passage-là je peux pas augmenter la carte. Voilà, la vitesse. De mon appareil photo. Alors, est-ce que là, on va voir une assistante qui va pas faire n'importe quoi, j'espère. J'espère sincèrement. Non, charge pas, fais un fake. Oh! Putain! La porte en attendant. Allez, il y a l'appareil. Ok. Ah, je perds du temps. Hein. J'esquive le petit corbeau. Non, pas par là. Alors là...
Ça a l'air de bien se passer. Alors vraiment que j'étudie le jeu plus en profondeur. Les dernières photos. Okay. Oh. Ah ouais. Ah ouais. Excellent ça par contre. Alors, Long Arms. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il trichote? C'est excellent ça. Normalement, on peut pas trichoter celui-là. Si. Ah, je me suis un peu trop avancé là.
Oh. What? Fais pas ça. Elle a jamais fait ce coup-là. What? Je savais pas que pouvait se taper cette fille. Alors par contre, j'ai pu me placer correctement pour la gravure. Du coup, c'est un mal pour un bien. L'aveuglé. Ah merde. C'est très mauvais ça, elle a pas fait ce qu'il fallait. Elle va me choper, là je suis sûr, elle va me choper. Je vais essayer d'aller le plus vite possible du coup. Ok. Stress. Quand il y a un setup que tu connais pas qui apparaît. Est-ce que c'est là? Ouais, c'est là où on doit récupérer le petit film et on continue.
pas faire ça, je te jure. Même en faisant des trucs que je considère comme parfaits, j'arrive à perdre du temps. C'est surprenant. Mais le plus surprenant, c'est que le world record, en tout cas sur la PS2, comme moi, il y a plus, enfin, presque 10 minutes de mon temps actuel. 10 minutes, sachant que je galère à gagner 3 secondes à chaque split et que j'y arrive même pas. C'est ouf. Ces jours, faut vraiment que je regarde ce World Record et comparer avec mes runs. Qu'est-ce qui va pas? Bon, bien sûr, il manque un petit peu d'exécution, des trucs comme ça, mais à mon avis, il n'y a pas que ça non plus. C'est un peu de chance aussi, mais ça fait pas 10 minutes tout ça. Nice way. I'm copying. Alors, est-ce que je vais me faire troll ici? Est-ce que je vais pas me faire troll? Telle est la question. Et merde. Oh! Là. Je tente pas le trichot, je sais que sur cette poupée c'est très très dur. Encore perdu du temps. Ah, c'est pas vrai.
pourrais essayer d'atteindre un petit peu plus quand il apparaît comme ça en fait. Bim! Je t'ai trouvé! Petit monstre! Triste. Alors, Bloodthing Island. C'est un gâchis de photos, je sais, mais bon. Sérieux, c'est temps, quoi. Chaque fois, je perds 0,5 secondes. Enfin, vraiment, le truc. C'est ouf.
Wow. Oh. Beau temps gagné là. Alors là, après IAE, j'essaierai d'augmenter la portée de mon appareil. Enfin, pas la portée, mais une autre narration. La vitesse. Voilà. Oh, j'aime pas quand on fait ça. Dégage de là. Ok, très beau fight. Content. Ah. J'ai dit très beau fight et malgré tout, je perds du temps. C'est pas grave. Alors là, je crois qu'il n'y a pas un fight tout de suite. Par contre, je crois qu'il y a peut-être une photo à prendre. Quoique, non, pas sûr. On verra bien. Avant de rentrer dans le menu, j'aimerais bien être certain que j'ai assez de points. C'est ça le truc. Si je me suis pas trompé de chemin. La corde qui fait peur. Voilà.
Pas assez. Fallait faire ça après ce fight, juste. Bol. Moi je le saurai. Récupère ce masque. On prend le mec. Et c'est parti pour un boss. Alors là, ça a l'air facile comme ça, mais il y a un certain timing à avoir. Là, par exemple, j'ai failli être trop tôt, j'ai failli gâcher une pellicule. Et si je suis trop tard, à un moment donné, au bout d'un moment, elle me charge. Et elle est tellement rapide que même les speedrunners, ils n'arrivent pas à l'avoir. Alors. Ouais. Est-ce que je tente la strat que j'avais en tête à la base? Non, c'est trop. Je suis pas sûr du tout que ça passe en fait. Alors là, je m'en rappelle plus du tout, merde. Ok. Ah merde. Voilà, maintenant j'ai assez de points. La boost maximum sur ce fight. Oh merde! Merde! Chier! Oh la fin! La fin tellement troll! Tant que je vais perdre! En même temps, ça va, j'ai perdu 10 secondes. Franchement, j'aurais pu en perdre 50.
Alors, récupérer ce masque-là, très important. La dernière fois, j'ai tué Maron, entre autres, à cause de ça. Ok, alors là, pour une fois, j'ai pas été bloqué, ça c'est très bien. Bah, c'est bien. Ah, il me suit encore. Bon, alors là, étant donné que ma vie est basse, faut que je prenne. Non, sacré. Plus prudent. J'en ai encore une en réserve. Allez, un des fights les plus durs du jeu, très clairement. Très casse-couille à ce boss. Touche au corps, ça y fait rien. Par contre, si on touche à la tête, merde. Si on me touche à la tête, donc c'est bon. Ok, très très bon. Ryozo 2, ça c'est très bon. Très très bon et je gagne même pas 2 secondes dessus. C'est horrible. Parce que là pour l'instant j'ai eu vraiment beaucoup de chance, mais genre beaucoup. Et j'ai gagné 30 secondes jusqu'à présent. C'est... Je dois gagner plus d'une minute 40 au grand minimum. Comment je fais? Dans le mur, sérieux.
Ok. Elle allait me charger, mais je l'ai terminé. Ça s'est bien passé au final. Là, là, là. Les acquis, tout dedans. Allez. Allez, on finit la nuit. Ok. Alors là, sur le nuage, j'ai beaucoup de temps à gratter. Normalement, sauf erreur vraiment très très grossière, je gagne du temps. Et j'aimerais bien en gagner beaucoup. Y'a personne ici? Cool. Ok, c'est bon. Non, non, vous ne m'aurez pas. Ok. Libé, what? Allez, la cloud apparaît rapidement et je te bénirai jusqu'à la fin de tes temps. Ok. Ok, ok. Cool. Allez, on panique pas. On panique pas.
Allez, on change de véhicule. Ça ne fait pas perdre beaucoup de temps. J'ai perdu de la vie. Okay, temps perdu acceptable. Alors, les 4 photos qu'il faut prendre. Pour le master, je devrais pas utiliser la grosse pellicule parce que juste après je change de pellicule de toute façon. Là je suis obligé de rechanger. J'aurais dû garder la verte histoire de ne pas perdre de temps sur les menus. Et garder la rouge bah, pour commencer les prêtres. Changer bien sûr, mais ça c'est par la suite. Et on va laisser ça faire. Sérieux? Ah, c'est troll! Vas-y! Ah oui, c'est vrai, j'ai pris la pellicule ultra rapide. Allez. Allez. Mais en fait, ouais, je devrais pas faire comme ça. J'avais un plan déjà prédéfini qui était très bien et cohérent et tout et tout.
que là, je vais être obligé d'encore changer de photo parce qu'à un moment donné, j'en aurai plus assez pour tuer le grand maître Fen. Que j'aimerais bien le battre avec les grosses photos, il m'en faut au moins 6 ou 7. Ah oui, j'avais oublié celui-là. Désolé, petit prince. Après le troisième prêtre, il est au puits. À ta droite. Ok. Alors là. Ah merde. De changer de véhicule, là j'ai pas le choix. Je n'ai point le choix parce que là il faut absolument que je garde cette véhicule pour le grand maître. Et encore, je suis pas certain de le battre avec cette véhicule. Là je vais perdre du temps. Là les options, encore une fois. Et tant que j'étais dans les options, je suis bête, j'aurais dû améliorer encore un petit peu plus mon appareil photo. Oh merde! Ah, j'arrive pas à avancer sur le côté là. Ouais, Claude, mais là, je perds du temps dans le mouvement. Donc au prochain split, normalement, je vais perdre du temps. Voilà. Regarder les véhicules, j'aurais dû. On vient toujours à gauche, mais ok, c'est pas mieux avant, il sert assez. Ok, bon fight là. Bon fight, bon fight.
Priest 4. Ok, du coup, vu que j'ai usé des grandes photos au lieu des petites, là, les petites photos, j'en ai à l'appel. What? Oh non, non, me fais pas ça. Oh bordel. Il a un stun celui-là, j'avais presque oublié. Parce que son attaque a réussi. D'habitude je me fais rien avoir, mais là. Hurry, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. C'est même par là que je vois lui. Ouais. Là je peux prendre la photo directement avec la table pellicule. Et maintenant on va prendre la voilà. C'est-à-dire on va allez, perds pas trop de temps. On va utiliser là, notre dernière au sacré. Sachant que vraiment, s'il y a un gros pépin à un moment donné, j'ai toujours ma Stone Mirror. Puissant, oui, je sais. Alors là, j'espère que je ne vais pas me tromper de endroit. À droite ou à gauche? Oh, je sais, je sais. Je sais qu'il y a un... Merde! Fallait pas le récupérer. Faut juste rush là. Je me suis trompé d'action, merde. Ça fait perdre un petit peu de temps, pas énormément, mais ça me fait perdre quand même.
Alors par contre là il y a eu un bug sonore. Tiens, mange ça. Ok, là on va à l'intensité. Ok. J'aurais bien aimé une autre photo entre temps, mais bon. J'espère que ça va le faire, j'espère que ça va le faire. Alors, une trois photos. Allez, allez. Bon, faut pas que je me loupe par contre. Ok. Parfait. Parfait, parfait. J'ai 0 photos, tout ça. C'est super. Allez, il faut récupérer le saut du maître. Voilà. Alors maintenant, faut pas que j'oublie que maintenant, j'ai plus de véhicules de x24. De grandes véhicules. Je récupère 24 dans le jeu. Ça se fait que je perds autant de temps là. Alors ok, je suis allé dans l'inventaire, mais waouh. Là je dois tuer les deux ghosts. Ah, du coup je vais me prendre là. Directement là.
Allez. On n'aura même pas besoin de récupérer ça. Alors même si j'affronte les fantômes là avec la poids du pellicule, j'espère que ça ira. Je perdais pas trop de temps. Alors là j'ai pas réussi de double kill, ça c'est pas cool. C'est le point sympathique. Maintenant, aïe aïe, j'ai fait un beau record. Pellicule, c'est bien plus que ce qu'il en faut, c'est bon. Je vois pas en 4 shots. Ah si. Ah je suis pas loin du tout du sub. Putain, à 12 secondes. J'ai gagné pas mal de temps sur ce sprint qui arrive un peu. Je sais pas comment j'ai fait. Ah bon bah je suis quand même content mais frustré. Très frustré. En plus j'ai fait un plan assez chelou concernant le choix des véhicules pour tel ou tel monstre. Ce qui fait que je suis trop allé dans mon inventaire. C'est pas petit. Si j'avais fait la strat normale, bah...
ça serait passé crème normalement. Ah, ça fait râler! Puis en plus, je suis allé 2-3 fois dans l'inventaire juste pour checker si je faisais pas d'erreur, si j'avais encore des photos, si tout ça, si j'avais des points pour tout ça. Et du coup, les 12 secondes, là, ils sont complètement passés. J'ai perdu bien peut-être 20-30 secondes rien qu'à cause de ça. Ah là là! Les 12 secondes, j'ai perdu sur des fantômes bêtement, par exemple le petit garçon au début. Enfin, c'est quand même un temps bien vénère, quoi. Je suis quand même très content de ma performance. Ouais, je vous laisse admirer. Time Kirie was guiding me, I could hear her screaming. Screaming for help. As the rope shrine maiden, she was destined to seal the gate. Yet she also wanted to be with the one she loved. But she couldn't have both, and was being torn apart by those two feelings, which resulted in the calamity. Her spirit was touched by the malice, and she became a creature that wanted to make others suffer as she had. Now free of the malice, she is about to fulfill her duty as the Rope Shrine Maiden. Her soul must remain here, keeping this gate sealed off for all eternity. All alone. Endless pain. As long as she is free of pain, as long as she is not left hopeless, I wish to be by her side. Miku. Mafuyu. Their souls are all going back to where they belong. Miku. I now realize why I was brought here. And I will accept this destiny of mine. Miku. Thank you. For everything. Ever since that day, I stopped seeing things that other people don't see. Voilà, voilà. Terminé. Alors, in-game time, 1h13 minutes. Ok, c'est très bon. Je vais, comme à mon habitude, sauvegarder le PB.
Et du coup, ouais, pour anecdote, à la fin, j'ai vraiment été chanceux, vu que, en fait, je sais pas si vous avez vu, mais à un moment donné, j'ai merdé avec la finale apparition de Kiri. Au lieu de faire demi-tour, j'ai avancé un petit peu. Ce qui fait que je me suis trop approché d'elle et elle m'a vidé ma barre d'énergie en un coup. Parce qu'en fait, elle est one shot d'habitude. Donc elle tue en un coup. Sauf que là, j'avais ma pierre de résurrection qui m'a permis de resurrect juste après. Donc de perdre au final très peu de temps. Quoi. Mais il y a des games où je peux très bien la perdre et au final, je continue à run, il n'y a pas de souci. Et là, j'aurais été mort. Être mort alors que je suis à 10 secondes de la fin, ça m'aurait fait râler. Mais c'est pas arrivé, j'ai eu beaucoup de chance. Et voilà. Mais du coup, ouais, je regardais mes splits. Et, bah, c'est vraiment très bon. Au final, j'ai perdu un peu de temps au début. Voilà, mais à chaque fois que je perdais du temps, c'était vraiment minime, très très peu de temps perdu. J'ai perdu 10 secondes à Ryozo. J'ai perdu quelques secondes au maître. Alors là par contre j'ai perdu pas mal de temps. Combien de temps j'ai perdu? 18 secondes à peu près sur le maître 2. Alors que je pensais avoir fait un très bon truc. Non là je comprends pas, faudrait que je regarde... le replay, mon PB, voir ce qui a de différencié. Bon. Bah du coup, je continue encore à Fatal Frame. Pas le choix. Je veux sub 1h30. C'est pas encore le cas, mais quasiment. Bon, ça va pas tarder à sortir à mon avis. Sachant qu'en plus là, comme j'ai dit, j'ai fait une très mauvaise gestion de mes pellicules. J'ai fait un truc un peu exotique à la fin, ce qui fait que ça m'a pas réussi. C'était parti. Et du coup, j'ai dû perdre quand même pas mal de temps là-dessus. Donc voilà, voilà. Puis à un moment donné, ouais, je me suis trompé de chemin. Ah, sûrement ça. juste avant de tuer le grand maître, je me suis trompé de chemin sur le couloir avec les deux sorties. Du coup, là, j'ai perdu encore un tout petit peu de temps. Un tout petit peu, à mon avis, c'était de l'ordre de 10 secondes, un truc comme ça, quand même. Ah, j'aurais tellement pu sub 1h30. Bon, c'est pas grave. Du coup, moi je te coupe pour l'instant et je vous dis à la prochaine. Bye!